Il indexait le Burkina Faso et il indexait la Côte d'Ivoire. Tous les jours, il disait, c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. C'est en Côte d'Ivoire que se préparent des coups de déstabilisation contre mon pays. Toujours, ils dénonçaient la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se mettre au Ghana. Parce qu'au Ghana, il y a un autre valet, il y a un autre, comment on appelle? Bon, je ne vais pas dire le mot pour ne pas qu'on me bloque encore mon live. Continuez de tapoter, les amis. Il y a quelqu'un d'autre là-bas. Un autre rampeur, voilà, je vais dire ça comme ça. Un gars qui rampe aussi, qui fait du poti-pota, qui se trouve au Ghana. Donc, il a accepté que des gens aillent s'asseoir à l'hôtel là-bas pour préparer l'attaque contre Ibrahim Traoré. Mais tout ça est su. Les services de renseignement burkinabés sont au courant de tout ça. Vous voyez, vous ne pouvez plus vous cacher pour faire vos magouilles. Vos magouilles. Vous ne pouvez plus faire des choses dans le noir parce que tout est su à temps et en heure. On va écouter. J'y dis l'autre à Accra. Certaines autres réunions se menaient à Tamale en présence de M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, et du lieutenant-colonel D. Roméo Woba, alias Rodriguez. Dans un second temps, il avait été convenu que le commandant Ahmed Kinda, alias Akushi, le sergent-chef Tendano, alias Taylor, et les deux chefs terroristes, accompagnés de l'une de nos équipes, montrent le site de stockage de leur équipement et de leur matériel divers. Abonnez-vous. Ce lieu, sous la garde des terroristes à la solde du commandant, a été localisé non loin de la ville de Tenkodogo. D'accord. Une fois sur place, ceux-ci ont tenté de s'échapper. Mais des échanges de tirs sont suivis, au cours desquels ils ont été neutralisés en sus de plusieurs autres terroristes. Les autres déstabilisateurs, loin d'abandonner leur funeste entreprise, ont décidé de peaufiner un nouveau plan lors d'une réunion qui doit se tenir normalement au Nigeria le 27 septembre 2024. Troisième pays, Nigeria. Le Nigeria vient d'être cité. Donc, il y a le, comment on appelle, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana et il y a le Nigeria. Regardez bien, tous ceux qui tournent dans la CDAO, regardez bien, ceux-ci qui, Alassane Draman Ouattara Conté, quand il a dit, il va envoyer un bataillon de 1000 éléments là-bas, au Niger. Rappelez-vous, n'oubliez jamais, rappelez-vous, aujourd'hui, regardez l'encerclement. Regardez le travail qui est en train d'être fait. Ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils ont fait au Ghana, ils sont allés au Nigeria. On va continuer. Il s'agira pour eux de recruter de nouveaux terroristes, en sus de recruter 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la... Des mercenaires en provenance d'un pays européen. Ils ont tel le nom. Cette fois-ci, ils n'ont pas dit le nom. C'est entre nous, Africains, on s'est dit d'abord. Mais pays européens, là, ils n'ont pas dit le nom d'abord. Voilà, parce que ceux qui sont quittés dans pays européens, là, ils vont nous dire ce qu'ils sont allés chercher. Voilà, et puis, vous-même, le pays européen dans lequel ils sont quittés, là, vous-même, vous connaissez. Vous-même, vous êtes au courant. On ne peut pas vous dire le nom. Mais vous-même qui regardez cette vidéo, vous savez où ils peuvent quitter pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Dans quel pays européen ils peuvent quitter pour aller déstabiliser le Burkina Faso? Vous-même, vous le savez. C'est pour cela qu'actuellement, il y a des pays européens, dont je vais taire le nom aujourd'hui, qui sont en train de changer leurs ministres. Et ils mettent maintenant ceux qui sont prêts à finir avec tout le monde, avec les Africains, avec les immigrés. Suivez mon regard. Suivez mon regard.
Le tonton va, le sera le tour de l'autre aussi là. Il va accepter son biama, il va s'asseoir. Et oui, Jordan a un biama ici. Si Facebook même, on a Toro biama. On a. Non, à son tour, là, le gars, si on l'a invité, là, faut pas, il va partir. Il n'a qu'à s'éteindre, il n'a qu'à la fermer, genre, parce que c'est ma bio.